Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo de gameplay, d'opening, la fatigue qui me fait bien n'importe quoi. Donc voilà, il y a un petit gain de niveau, j'ai vu, alors ça va pas être de gros rank-up aujourd'hui, parce que je garde surtout pas mal de composants en soi, sûrement peut-être en utiliser un petit peu. Alors je sais pas trop encore qui monter, pas vous le cacher, je sais pas trop. Beaucoup me plaisent, vraiment, beaucoup beaucoup me plaisent. C'est vrai que j'en ai quand même pas mal à monter quand on regarde comme ça. Donc du coup, déjà, on va déjà mettre ces deux-là R1 max. Ce sera déjà un bon début. Alors, hop, hop, hop. Alors Egon, je vais pas le monter. Je vais pas tout de suite lui monter parce que évidemment j'attendrai d'avoir une gemme d'éveil pour lui. Quoique je pourrais la monter en soi. Je pourrais. Je pense qu'à terme elle sera montée. Alors, on va prendre des gros. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Donc je pourrais la monter. On va voir. Honnêtement, on va voir. J'ai plusieurs idées pour monter des persos. Donc ça se fait en live. Ça te fait en live. Premier perso que je vais monter déjà, ça va être peut-être Omega Red, parce qu'il est doublé déjà. Donc voilà, donc on va déjà utiliser 5, on va déjà utiliser ça pour lui. Hop! Et derrière, vous allez voir après ce qu'on va faire avec lui. Donc là, on prend la masse. Parce que derrière, tadam, petite gamme de rank up de 2 à 3. Que bien sûr, on va du coup mettre. Donc du coup, il passe rang 3. Du coup, pour le coup, je suis assez content. Parce que c'est du coup un bon rang 3 qui monte. Comme ça, il se rapproche très rapidement du rang 4 prochainement. Enfin, prochainement. Quand je pourrais. C'est pas l'envie qui me manque. C'est juste les consommables. Parce que c'est vrai que là, j'ai en termes de consommables. J'en ai quand même utilisé pas mal récemment. Donc du coup, le temps que je restocke un peu tout ça, ça prend un peu de temps. Donc voilà, nouveau R3. Et puis c'est un beau R3, vous pouvez voir, en kata alpha 2, je suis à 2. Bon, ça encore, les alpha 2, c'est alpha 2, ça va. En soi, si je voudrais, je pourrais ouvrir mes cristaux de QA6 et j'en aurais 4, je pourrais les monter, quoi. Mais c'est vrai que c'est en alpha et en T4B, je suis limite. Oh, tu vois, fatigué, vraiment fatigué. Donc voilà, donc je suis limite pour ça. Derrière, j'ai une gemme de rank up de 3, de 2 à 3 cosmiques. Enfin, c'est ça, de 2 à 3. Non, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, on va regarder, mais je dis pas de bêtises, c'est ça. Parce que celle-là, on va garder les deux du bas. Et donc, on a 2, 3, 3, 4. 2, 3, 3, 4. Pour ça, on va regarder hein, qui on pourrait faire. Donc, 2, 3, 3, 4. Alors, je vous avoue que Groot est très tentant. Hein. Je ne vous le cache pas. Groot est extrêmement tentant. Mais non, on va pas mettre Groot pour ça. 2 à 3, de 2 à 3. Enfin, quoi que, je sais pas. Je sais pas, je vais peut-être même à rester comme ça. Pourquoi on peut pas la monter elle? Ah, il manque un alpha. Est-ce qu'on est quand on gagne de niveau en fait? Ça va dépendre du gain de niveau. Ah, bon, on est déjà au max. Ah, bah du coup, c'est parfait. Ah, bah du coup, c'est parfait, on est déjà au max. Très bien. Comme ça, je vais essayer d'avoir plus de consommables. Je vais essayer de monter du coup. Peut-être plus tard. Je doute à choper vraiment un autre bon perso d'ici là. Mais du coup, je me dis pourquoi pas monter Captain Marvel. Une Captain Marvel qui, elle, pourrait monter directement en rang 3. Et après, je verrai entre le rang 4. Enfin, si je la monte elle, ou si. Ouais, si je la monte elle, ou si je monte Hyperion, qui est aussi rang 3. Les deux sont bien. Je sais pas du tout. Ça, pour ça, il va falloir que j'y réfléchisse. Il va falloir que je vois ça aussi avec mon alliance. Enfin, voilà. Voilà, c'est tout un schmilblick. Donc voilà pour ça.
Bah écoutez, voilà, c'est une petite vidéo de rank-up, c'est pas oufissime, même si on monte quand même un très bon perso du jeu, hein, on monte quand même un Oméga Ren. J'aimerais vraiment le monter rank 4. Il y a beaucoup de persos que j'aimerais avoir rank 4, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Bon, peut-être pas non plus 50, mais j'aimerais bien avoir monté encore une petite dizaine de persos rank 4. Des persos que j'aimerais beaucoup jouer pour le fun et autres. Et bon, avec le temps, ça va se faire, et puis surtout qu'on se rapproche petit à petit notre but, quand même d'avoir uniquement que des rangs 2. Quand on regarde, on n'en a plus beaucoup. Bon, encore, on a chopé de nouveau, on a chopé quelques nouveaux. Mais à part ça, voilà, on compte pas le Rhino, donc ça fait pas beaucoup, hein, il fait juste ça. En soi, donc c'est pas des masses. Comparé au nombre, tout le nombre de persos qui restent, etc., c'est vraiment pas mal. Et je me rappelle plus du nombre de 5 étoiles que j'ai. On va tout de suite aller voir ça ensemble. Pour savoir, c'est très simple, on fait comme ça. Et après. Je sais plus si c'est là. Ouais, c'est là. Voilà. Donc on cliquait sur récompense une étoile. Et pouvez voir, donc là du coup j'ai 107 5 étoiles. Moi je m'étais arrêté à 104, 105. Donc là j'en ai 107. J'en ai 107, ok. Ben, c'est bien, écoutez, on se rapproche des 4 étoiles. Donc j'ai 107 5 étoiles. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, ça commence à se grossir. Et du coup, ça me fait encore gagner. Ça me fait rallonger mon VS si un jour je re-VS. Parce que là je suis en pause VS. Donc voilà, bah écoutez, voilà, c'est une petite vidéo de rank up, tranquillou, rien d'incroyable par rapport à l'autre qui a été faite avec la montée du R5. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez monté d'autres persos, parce que j'avoue que là, les gains de niveau, j'ai l'impression qu'il y en a tous les 2 jours, enfin c'est incroyable. C'est vraiment tout le temps en ce moment, j'ai l'impression. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous montez en ce moment. Pareil, si vous chopez aussi un bon perso, du coup vous voulez monter, etc. et tout, donc n'hésitez pas. Moi sur ce, je vous retrouve du coup très bientôt pour un opening. Ce sera sûrement un opening la prochaine fois à mon avis. Et pour le gameplay, bah, on verra un peu. Je sais pas trop ce que je peux faire en gameplay pour le moment. Il n'y a pas grand-chose en ce moment, donc on verra. Petite pause entre guillemets. Donc voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao.